Anna? Oui, cher. Tu veux que nous... Que veux-tu? Quand nous allons nous marier, ne pourrions-nous pas demander au doyen Grangeot de venir célébrer notre mariage? Mais oui, si tu le souhaites. Ici. Ici? Oui, ici. Dans le cœur de notre église complètement délabrée. Rien que toi et moi. Et deux témoins, bien sûr. Je ne comprends pas. Tu veux dire que c'est ici que se célébrerait notre mariage? Rien que toi et moi. Le doyen et deux témoins. Par cet acte, nous inaugurons cette église et nous l'épousons par la même occasion. Ne pourrions-nous pas faire ça, Anna? Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Toi et moi, nous allons nous marier à la cathédrale d'Uppsala, et c'est le chanoine Tissel qui nous mariera. Il l'a promis. Et nous aurons un vrai mariage, avec demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, la chorale universitaire, un tas de parents et d'invités, et un dîner aux Gillettes. Tout cela, mon cher Henrik, nous en sommes convenus ensemble. On ne peut rien changer. Rien changer? Et si je te proposais maintenant de laisser tomber tout cela? C'est vraiment impossible? Oui, c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Mais parce que je veux, moi, un vrai mariage! Je veux une vraie, une grande fête! Que l'on célèbre tout cela! Je veux être gay, je veux un mariage du tonnerre! Et le mariage que je propose? Bon, arrêtons là ces stupides argumentations, sinon on va finir par disputer. Ce sera du beau. Mais moi, je ne me dispute pas. Toi, non. Moi, si. Tu pourrais quand même y réfléchir. Anna! C'est tout réfléchi! Et si tu ne comprends pas ça, tu es encore plus idiot que je ne le pensais! Ce qui n'est pas feu. Et si je ne veux pas? Si tu ne veux pas quoi? Si je ne veux pas participer à cette mascarade dans la cathédrale d'Uppsala. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que je fais? Je vais te le dire très clairement, Henrik Bergman. Je te rends cette bague. C'est de la pure folie. Qu'est-ce qui est de la pure folie? Tu veux sacrifier notre vie commune? Notre vie à un simple rituel? Mais c'est toi qui sacrifies notre vie commune, hein, je ne sais quoi de ridicule, de théâtral, de mélodramatique. Mais ma fête, à moi, au moins, c'est une fête. Et alors tout le monde est content et tout le monde sait que toi et moi, on est enfin mariés pour de bon. Mais c'est ici que nous allons vivre. Ici, tu ne le comprends donc pas? Il est important que nous commencions ici notre nouvelle vie. Ici, justement, dans cette église. Important pour toi, mais pas pour moi. Tu ne comprends donc rien de ce que je veux te dire? Je ne veux pas comprendre. Si tu m'aimais, tu comprendrais. Oh non, par pitié, pas de ce blabla, hein. Je pourrais tout aussi bien te répondre que si toi tu m'aimais, tu ne volerais pas ma fête! Mais tu es plus qu'une enfant gâtée, ce n'est pas possible! Tu ne comprends donc pas que tout ça, c'est sérieux? Je vais te le dire, moi, clairement, ce que je comprends. Tu ne peux pas voir ma famille. Tu veux humilier ma mère le plus possible. Voilà la vérité, Henrik, avoue que j'ai raison. Étrange que tu puisses interpréter à ce point de travers les choses. Étrange et méchant. Tout ce que je vois, c'est que tu prends le parti de ta famille contre moi. Mais ça va pas, non? J'ai presque tué maman pour venir jusqu'ici avec toi. Et papa, tu crois peut-être qu'il est... Et moi, je te demande un sacrifice. Un ridicule petit sacrifice. Tu es fou, allié? Qu'est-ce que je pense, Henrik? Parfois, tu me donnes l'impression pénible d'appartenir à une autre classe. Oh, tu as cette façon de te rabaisser. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais des manières avec ta pauvreté, avec ta pauvre, misérable enfance, ta pauvre, misérable maman, c'est à vomir. Se promener avec une chemise sale et des trous à ses chaussettes, ça n'est pas obligatoire! Ni d'exhiber ses pellicules sur son col et ses ongles sales! Je n'ai jamais les ongles sales. Tu n'es pas propre! Et parfois, tu sens la sueur. Ce
Cette fois, tu en as trop dit. Comme de bien entendu, monsieur le pasteur ne supporte pas entendre la vérité. Je ne supporte pas que tu te montres cruel. Ne me marche pas dessus, Henrik. C'est bien que cette conversation ait eu lieu avant notre mariage. C'est très bien, c'est excellent. Comme ça, maintenant, chacun sait à quoi s'en tenir en ce qui concerne l'autre. Ah, nous étions vraiment à deux doigts de commettre une énorme erreur. Ah, parce que tu es prête à tout envoyer balader. Parce que c'est moi qui envoie tout balader. Non. Le pire, c'est que nous y sommes prêts tous les deux. Oui. Et cela s'est fait d'une façon étrangement facile. Horrible. Je voudrais pleurer, mais j'y arrive pas. Je dois avoir trop de chagrin. Moi aussi, j'ai un tel chagrin. Je ne veux pas te perdre. Bah, tout à l'heure, on n'aurait pas dit ça. Non, je sais. Henrik. Henrik. Non. Henrik. Arrête tes simagrées. Mais j'ai de la peine. Vraiment, comme c'est dommage. J'ai dit des choses épouvantables. Oui. Pourras-tu me pardonner jamais? Je n'en sais rien. Alors c'est fini? Un mot qu'on a laissé s'envoler ne se laisse plus jamais rattraper par l'aile. Je ne comprends pas. C'est de Luther. Il veut signifier qu'on peut dire presque n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. Certaines paroles, une fois dites, sont irrémédiables. Mais tu es pasteur! Ma profession n'a rien à voir là-dedans. Tu dois me pardonner! Je ne peux pas, je suis furieux, je te hais, je pourrais te frapper. Ça au moins c'est clair. Comme tu voudras. Et moi qui suis en train de me rabaisser. Mais personne ne te le demande! Tu pleures? Oui, je pleure. Mais je pleure de fureur. Non! Ne t'approche pas. Non, ne me touche pas. Je peux recommencer si tu veux. Sors d'ici. Tu es hideuse. Tu me tortures. Parce que tu veux me torturer exprès. Sors d'ici, bon Dieu. Je commence enfin à comprendre pourquoi maman avait peur de toi. Oui, je commence à comprendre. Enfin, mais c'est parfait. Toi et ta mère pouvez enfin tomber dans les bras l'une de l'autre et ensemble rendre grâce à Dieu de ce que tu réchappes à cette catastrophe. Merde alors. Putain, ta gueule. Ta grossièreté, vraiment. Vraiment du même niveau que la tienne. Comment allons-nous encore pouvoir vivre après ça? Tu ne vois pas le plus horrible? C'est quoi le plus horrible? Nous avions pour nous un capital d'amour. Et ce capital, nous l'avons gaspillé pour... Pour une bêtise. C'est vrai.